Bonjour, je viens te donner cette petite réflexion que le Seigneur a mise dans mon cœur ce matin. Il avait dit les lépreux qui étaient venus vers lui pour demander la guérison. Et il leur a dit, allez vous présenter au temple. Parmi les 10, il y avait un seul qui était revenu pour lui dire merci. Et il s'est posé la question pour dire, les 9 autres n'étaient-ils pas guéris? Avec douleur dans le cœur. Les 9 autres n'étaient-ils pas guéris? Lorsque nous nous réveillons le matin, il y a d'autres, certaines personnes, qui se mettent à genoux pour dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Et toi, qui te réveilles le matin, la première des choses, tu prends ton téléphone pour regarder les SMS, regarder les j'aime sur Facebook, regarder les WhatsApp que tu avais envoyés, si c'est répondu ou pas. Le Seigneur te demande, tu n'es pas réveillé le matin pour penser à lui dire merci. Il y a juste quelques personnes qui pensent à dire merci à Dieu le matin. Et le Seigneur demande, les milliards autres personnes ne sont-ils pas réveillés ce matin? Es-tu parmi le seul lépreux qui est revenu pour dire merci à Dieu? Ou tu es parmi les 9 autres qui sont partis? N'es-tu pas réveillé ce matin? Le Seigneur ne t'a pas donné le souffle de vie? Le Seigneur n'a pas renouvelé sa bonté sur toi ce matin? Pour que tu puisses prendre ne fût-ce que quelques minutes pour lui dire merci? Pense-y et fais-le. Parce que Dieu t'aime. Pense à lui aussi parce qu'il t'aime. Comment tu peux accepter que tu puisses aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour? Il veut le retour de ton amour. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.